On s'approche de la zone de vérité. Ouais, la frappe. Attention au poteau, c'est pas fini. Les 30 derniers mètres. La passe est interceptée. On va regarder ce que dit l'arbitre. Bon, les cartons jaunes. Il va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Ah non, ballon perdu. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Et le défenseur qui a contré. Christensen. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Oh, excellent contrôle. Lorenz. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Vandenberg. Elle a peut-être une bonne occasion. Ouais, il se trouve bien. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Elle s'est donnée par-dessus. Non, on l'a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Lorenz. Ouais, bon tac, il lui a pris le ballon. Et voilà, c'est la... Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. On s'approche du but. Un duel pour la récupération du ballon. Ah, la passe centre. Attention, l'occasion pour revenir à un but. Un superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Cette équipe qui revient donc à un petit but de son adversaire. Ouais, attention que la confiance ne change pas de camp. Et 2-1 donc maintenant. Vandenberg. Attention, il a du champ devant lui. Gamero. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Close. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Gamero. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ouais, coup franc très logiquement accordé par l'arbitre. Là, il est à la récupération au milieu de terrain.
Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, ils vont jouer la touche. Lorenz. Gamero. Attention, ça peut être dangereux. Il tacle. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, non, trop mal assuré cette passe finalement. Ah, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais la défense récupère finalement. Christensen. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Et ça file en corner. Il a cherché le... Lorenz. Et ça fait but. Cette égalisation qui est bien sûr l'un des moments forts de ce match. C'est tout l'intérêt de cette coupe, Hervé. Tout bascule si vite. Ah, c'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but. On va revoir tout ça au ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Deux partout entre les deux clubs. C'est vraiment serré. Le long de la ligne de touche. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Alors le ballon est perdu. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Non, non, ça ne passe pas. Attention à la frappe. Oh, il peut s'en vouloir, hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire, là. Ils reprennent possession du ballon. Gamero. Les 30 derniers mètres. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Christensen. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. On s'approche du but. Oh, le ballon dangereux! Le défenseur qui contre ce ballon. Vandenberg. Touche dans le camp adverse. Centre à destination de ses partenaires. Ah, c'était dangereux. Mais la défense. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, le but. Et le but que l'entraîneur redoutait. Ah, ces joueurs n'ont plus le choix maintenant. Hein. S'ils veulent garder un petit espoir dans cette coupe première, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est quand même un sacré retournement de situation. C'est bien, ils n'ont jamais renoncé et ça change tout parce que maintenant ils mènent tout simplement. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est 2-3-2. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Voilà, il fait ce qu'il veut. Allez, peut-être le but égalisateur. Oh, oui, but. Ouais, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Ah, quelle est belle, cette égalisation. Importante également, surtout. Hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Allez, j'ai envie de dire que c'est mérité.
Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ah non, ballon perdu. Lorenz. Attention, il a du champ devant lui. Là, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau! Un but qui leur permet de prendre leur distance dans ce match de coupe premier. Ils savent que les matchs de coupe sont plus faciles à gérer en faisant la course en tête. Surtout, ça fatigue moins. Je vous laisse apprécier une nouvelle fois ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Une véritable avalanche de buts dans ce match. Le genre de rencontre qu'on adore, mais que les entraîneurs détestent. Allez, coup franc. On va voir ce qu'ils vont faire. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Ouais, public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, peut-être un centre. L'arbitre qui a sifflé coup franc. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Ouais, un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Les joueurs du mur qui s'avancent. Il prend sa chance. Oh oui, il y est. Et un but de plus pour eux dans ce match de coupe première. Sincèrement, je ne vois pas le match leur échapper. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. On n'est jamais à l'abri. Le score qui est de 5 à 3. C'est deux buts d'avance, précieux. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Ouais, bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Lorenz. Les 30 derniers mètres. Il porte le ballon. Ça y est, cette fois, c'est bel et bien fini. Coup de sifflet final de l'arbitre. On a assisté à un festival offensif dans ce match.